Salutations l'ami, et bienvenue parmi nous pour la suite de nos aventures sur The Banner Saga 2. Si toi aussi tu es en PLS depuis l'annonce du report de Zelda, même si tout le monde le savait bien sûr, et de la sortie de la NX en mars 2017, et du fait qu'il n'y aura qu'un jeu de Nintendo à l'E3 jouable, c'est-à-dire Zelda, eh bien installe-toi confortablement, car nous allons aujourd'hui nous changer les idées dans le nord lointain. Bref, ne nous attardons pas sur des sujets aussi fâcheux et poursuivons notre aventure là où nous l'avions laissée. À savoir juste après la pierre divine de Asselai. Un groupe d'adultes et un varle ayant l'air désespéré se tiennent sur la rive, vous faisant signe. C'est probablement de ça que vous avez l'air, Ivor et vous. Ils ont l'air d'avoir faim, mais peut-on leur faire confiance? Jusqu'à maintenant, quand j'essaie d'aider les gens, je m'en prends plein la gueule. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur balance des provisions par-dessus le bastingage sans m'arrêter? Est-ce que je ralentis les navires et leur demande de quoi ils ont besoin? Ou est-ce que je les ignore? Eh bien, pour la peine de m'être fait entuber la dernière fois pour avoir voulu aider des gens, je me casse! Allez vous faire foutre. Regardez devant vous, dites-vous, et les rameurs continuent sans s'arrêter. Vous pouvez sentir les regards silencieux depuis la rive, mais vous passez à autre chose. Ah! Je vous emmerde! J'ai assez donné, putain. Une fraîche brise se faufile à travers les plis de votre manteau. Vous le réajustez pour vous protéger du vent et sentez quelque chose contre votre hanche. Vous trouvez un objet dans votre sacoche que vous ne vous rappelez pas d'avoir obtenu. Ok. C'est peut-être ça en fait que la nana qui s'est glissée dans ma tente la dernière fois m'a déposé en fait. C'était peut-être une offrande, un truc du genre. Tout s'explique. Les falaises abruptes et les eaux jonchées de roches de la rive sud dictent les trajectoires de vos drakkars. Le bourdonnement des dredges accélère leur allure tandis qu'ils suivent vos drakkars le long de la rive nord. Ouh, ça va chauffer. La poussière et la brume donnent une mauvaise visibilité. Un grondement sourd se fait entendre de plus en plus fort. Cascade! S'écrie Need au regard perçant depuis la proue de son drakkar. Le sens de rame s'inverse et vous perdez presque votre équilibre. Ah bah mince alors, des cascades! Oh. Demi-tour, s'il vous plaît. Le rugissement de la cascade brouille vos pensées. Les navires luttent, mais leur poids léger leur permet de se dégager du courant mortel de la rivière. Vous frissonnez à l'idée que les navires auraient pu être plus lourds et la situation bien pire. Les rameurs des derniers navires redoublent d'efforts, se dirigeant vers la rive nord recouverte de dredges. Dans leur hâte, les navires s'écrasent sur des rochers tandis qu'ils s'avancent sur la rive. Certains combattants sont propulsés par-dessus le bastingage et sombrent dans l'eau et la vase sous le poids de leurs armures. Ah bah ça c'est ballot du coup. Les drakkars sont trop éparpillés pour un débarquement organisé. Dans le chaos, vous regardez ceux qui vous entourent. Gris, un guerrier varle robuste, et d'autres comme lui ont l'air prêts à charger les dredges. Bolverk et sa compagnie sont près de vous, tirant leurs chariots scellés hors du navire. Vous considérez vos options. Alors, quelles sont mes options? Oddlife, peux-tu retenir les dredges pour nous? On aurait bien besoin de votre aide, les corbeaux, Bolverk. Gris, crée une ouverture parmi leurs rangs. Suivez-moi, nous allons les repousser. Bah, je vais pas demander aux autres de se battre pour moi, allons-y tous ensemble, bordel. Tout le monde descend du navire comme un seul homme. Les projectiles des frondeurs s'écrasent sur les boucliers et vous êtes au cœur de la bataille. Ouais, la bataille, passons plein sur les rivages bruyants de la cascade. Alors, Alette, rappelons-nous déjà.
Ah oui, c'est le truc où elle se met à viser et quand quelqu'un passe dans la ligne de mire, elle tire et apparemment elle a des bonus de dégâts. Ok. Alors, avec qui allons-nous jouer? Alors, j'ai bien envie de jouer avec mon petit Ivar. Il faudrait que. Non. Jouons à Léo, jouons à Eivind, jouons Hakon et jouons. Ça manque de rook quand même. Jouons Ludin. Jouons Ludin. Voilà, ça m'a l'air bien là. Let's go. Ah, j'aurais pu prendre Trigvi. Oula. Battez-vous avec tout ce que vous avez! Ah, bah il est là, le bolverk! Eh ben, dis donc, il pourrait venir sur le champ de bataille, avec moi. Alors là, je vois très bien ce que le jeu essaie de faire, c'est de me diviser en deux, ce que je ne vais absolument pas faire. Parce que quand même, je ne suis pas con! N'est-ce pas? Alors, toi, tu te mets là. Attends, parce que lui, il tape du 18, et toi, t'as de la défense de 16, donc t'es le. Le plus tank, on va faire comme ça. Ça m'a l'air bien. Oh, ça m'a l'air bien. Et hop, c'est parti. Oh oui, oh oui. Allons réduire la menace à la source. Ah mais je suis con, j'aurais dû mettre. Ouais, bon, bref. Bref. Alors, Hakon, tu vas one shot, comme il se doit. Très bien. Attention à vos flancs, quelque chose vient de l'ombre. What the fuck is that? Alors, Skulker. Alors, le Skulker peut se déplacer à travers ses alliés. Le Skulker devient invisible et harcèle une de ses cibles. Le Skulker réapparaît et attaque. Signalant à ses camarades d'attaquer la même cible. Oh, mais il va falloir éliminer la menace tout de suite. Bah voilà. Ce que nous faisons de ce pas. Oh no. Reste à distance. Vas-y, Alette. Vas-y, vas-y. Non, non, c'est pas la peine d'en l'enlever autant. On lui réduit un peu son armure histoire qu'il fasse pas chier. Quoi, encore des Skulkers? Où ça? Là. Là. Oh! En fait, ils sont hors des tuiles du terrain, quoi. C'est chaud. Alors là, ouais, ça c'est bien ça. Je vais faire Tale Worth Telling, donc des histoires dignes d'être racontées sur Alette, parce qu'elle n'a que 10 de force. Oui, bah du coup, elle pourra faire plus de dégâts à celui-là, mais bon, c'est déjà ça, écoute. Voilà. Oui, mon norvégien est très développé. Non! Non! Et pourquoi? Eivind. Mend et répare-moi cette armure, s'il te plaît. Voilà. What the shit? What the shit? Ce gros là-bas, c'est leur chef! Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Mais casse-toi! Oh là là. Bon, alors attendez. Donc lui, c'est qui? Dredge, sombre garde. Ouais, ok. Alors, ah oui, c'est ça, Drumfire. Une onde de choc qui fait des dégâts d'armure. Ce sont des... Et puis ça laisse en fait une traînée de cendres chaudes qui blesse les ennemis et soigne les Dredge. What the fuck? Donc moins 1 de force pour... mes troupes, mais plus une armure pour les dredge. Ah, ça craint un peu quand même. Bon, toi, crève. Donc, il faut que j'évite cette traînée. Ah, bah d'accord, elle disparaît déjà.
Bon là on parie combien que je vais me faire stopper par une de ces bestioles invisibles là. Ah voilà. Ah voilà, voilà, voilà. Et je peux pas l'attaquer j'imagine. Ah bah bravo. Mais là je suis comme un con. Bah oui. Bah fais ça. Alors faut pas... Ah merde, bah oui. Ah bah voilà, là c'est bien. Mais du coup là je vois pas trop l'utiliser de l'utilité de Overwatch. Attendez hein, de rentrer dans votre ligne de mire et tirer. Faisons ça, testons, écoute. Ah bah ça c'est bien. En fait, il s'est mis sur ma route toute la sainte journée. Et du coup. Continue à faire ton truc là. Non en fait, viens là. Et je vais me faire interrompre. Voilà. Et du coup je peux pas l'attaquer. Ah bah fais ça encore. Der reine Mestre geschrönt und wächst. I win. Finis-en avec lui. Ah, et ça a touché l'invisible. Ça, c'est bon, ça. Et du coup, comme ça a fait un kill à proximité de mon barde, il a restauré un point de volonté à tout le monde. Parfait. Bah écoute, si on peut one shot, one shotons. Mais du coup, Alette, elle a changé de sens pour son histoire de détection des ennemis là ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce Benz? Bute-le! Oh, la hache dans ton fion. Hop. Baf. Ah oh, mais ça c'est trop bien ça. Hein? C'est shit. Ouais, bon. Ah oui. Oh non, mais redeviens pas invisible. T'es relou. Ah, on va faire un petit coup de chance sur Akon, parce qu'il a plus beaucoup de santé, du coup, il pourra faire plus mal. Bah là, il va se faire crever, en fait. Mais ce que nous, on va faire, c'est ceci. Bah non, ça s'en se mettra pas, merde. Du coup, ça vaut plus le coup de le faire sur lui. Je vais enlever 4 points de vie là, vite fait, bien fait. Voilà, la foudre de Zeus, non, la foudre de Thor, le tout-puissant, s'abat sur toi, telle une colère divine, inextinguible. River, il a beau avoir perdu un bras, il nique tout. Hein. Non, pas Moulinex, non! Ben non, je vais t'arrêter. Oh, mais oui, non, ils ont trop d'armure. Allez, on joue avec le feu. Jouons avec le feu. Le feu. Allez, coup critique en plus. Moulinex interrompu. Mais c'est bien. Ah bah voilà un kill pour Aléo. Nice. C'est l'heure de la promotion. Non. Pouvoir magique. Et ben voilà un combat rondement mené.
et qui se conclut par un chant, genre le mec il est taunt quoi, genre Strug Strug Noobidus. Il est taunt. Oh oui, le renom des cieux. Hakon se fraye un chemin entre les hommes de clan agités. Tu as pris des décisions difficiles sur cette rivière. Si ce navire avait eu plus de passagers, je ne saurais dire combien seraient morts à l'heure qu'il est. Je savais que j'avais fait les bons choix en disant merde à ces connards qui me faisaient des yeux tout doux sur la rive. Comme quoi, des fois, avoir un cœur de glace, ça paye. Merci. Dommage que le débarquement ait été si difficile. Hakon fronce les sourcils et regarde loin. Ils vont lancer leur prochain assaut, et cette fois, ils frapperont fort. Mais que veulent-ils? Alette. Je pense qu'ils veulent notre mort! Dans ce cas, nous devrions charger avant qu'ils soient prêts. J'ai mené tout le monde à leur mort. Aurions-nous une chance de combattre et passer à travers eux? Eh bien, on devrait charger avant qu'ils ne soient prêts. Ah merde. Mais me freine pas dans mes ardeurs. C'est trop tard pour ça, petite. Et nous ne sommes pas assez nombreux pour faire une percée. Alors quoi? On attend juste ici qu'ils nous repoussent par-delà la falaise? Yuno et Eivind s'approchent. Oh, Yuno! Il y a peut-être une solution. C'est un pari risqué, mais nous pensons que c'est notre seule chance. Par les dieux, ce n'est pas bon quand la solution d'une Valka est la seule option. En effet, ça a l'air de craindre un peu, cette histoire. Pire que ça, je ne peux pas promettre que tout le monde va s'en sortir. Ah bon? Ah d'accord. Yuno lance un regard à Eivind. Alors, quelle est votre idée? Eivind soupire. Avec l'aide de Yuno, je pense que je peux nous faire traverser le gouffre. Mais ce ne sera pas facile, ni pour moi, ni pour la caravane. Je dois aider Eivind et calmer ses gens, pour qu'il puisse se mettre en marche lorsqu'il sera prêt. Vous devez empêcher les dredges de s'approcher à tout prix. Si il... Le son d'un corps de guerre l'interrompt, et tout le monde se retourne. L'attaque des dredges commence. Ah bah très bien. Alette, Hakon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ok. Il semblerait que les forces que vous avez entraînées sont à peine la taille de la même, du même effectif que celle de l'ennemi. Cette bataille pourrait se passer de deux manières. Pourrait avoir les deux fins possibles, mal ou bien. Mais une victoire ici nous protégerait la plupart de nos hommes de clan. Yuno et Eivind se déplacent vers la falaise. Hakon, surveillant le champ de bataille, vous dit certaines de nos provisions, de nos tonneaux de provisions, pourraient faire des barricades pour la défense. Autrement, ce sera un assaut à découvert. Nous ne sacrifierons pas la nourriture, nous savons à quel point c'est précieux, donc on s'en passera, on est des putains de badass, on va y arriver. On aura besoin de ces provisions, dites-vous. Le roi des Varles vous lance un regard qui dit « Si on s'en sort... » Chargez ! Vous comprenez le raisonnement de Hakon, mais vous donnez l'ordre. On va chier des bananes. Mon petit doigt me dit... que un petit mogoun, ça ferait pas de mal. Comme ça. Ouais, ça m'a l'air bien. Ah, et attends, j'ai plein de... Je peux pexer, là. Allez, oh. Allez, oh. Allez, allez, oh. Bah oui, voilà, poète, poète, poète. Loudin, monte de niveau, s'il te plaît. Loudin, tu vas me faire ça et tu vas m'apprendre à faire des coups critiques. Voilà, donc là je lui mets un point bonus dans cette capacité supérieure, là, dans la catégorie de la force.
qui lui donne 10% de chance de faire un coup critique. Yes, mister. Et gardons le reste de notre renommée pour la suite. Gunulf. Non, c'est bon, Gunulf. Laisse des kills pour les autres pour l'instant. Ready for battle. J'espère que je ne vais pas regretter de ne pas avoir fait de barricade. Oh, peinard. Retenez-les, ça va prendre du temps. Oh putain. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En tout cas, j'aime bien son incantation. Il est en train de soulever des roches, il va nous faire un pont. Pour qu'on traverse. Et où est l'autre connard là qui n'a plus de cornes? Bon bref. Alors, ça tape du 11, ça défend du 16, ça tape du 15, ça défend du 10, et là c'est des petits péons à la con. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Ivor ici, Akon là, Mogun là, comme ça, Alet là, ça devrait être bien comme ça. On va peut-être pas se mettre autant en avant là. Là. Go go gadgeto. J'ai quoi déjà? Battering ram. Non. Et. Ah merde, j'aurais pu faire un petit tempeste. Bon, c'est pas grave. Pouf. Oh bah non, en fait, enlevons tout de suite de la vie. Je te chie à l'arrêt! Où est-ce que tu vas? Là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Gardons nos distances. Laissons-les approcher d'abord. Là, on va faire un petit Sundering Impact. Bah non, j'ai pas besoin de faire de dégâts d'armure, donc non. On va le buter. Normalement, les dégâts se propagent. Voilà. Ah, parfait. Donc là, je me mets à portée. L'essentiel, lui, c'est de lui enlever tout de suite 5 points de santé pour qu'il fasse pas mal, excessivement mal. Ce qui est fait. Alors, Alette, tu vas te poster là. Ah merde, mais du coup, t'es pas dans le bon sens. Parce que si je fais Overwatch, ce sera que dans ce sens-là, non? Ça m'intéresse pas. Bon bah attends. Ah, il y a des renforts. Ah, très bien. Ah bien, ok. Vous devez retenir les dredges. Non. Ow. See what's coming, don't you? Tempest! Bleh! Blah blah blah, 2 kills d'un coup! What? Swagwind, là, même, je dirais. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Non, on va faire un petit Bloody Flail. Donc là, rappel, c'est un enchaînement de coups qui font des dégâts aléatoirement soit sur l'armure, soit sur la santé. Et le dernier coup a un bonus de dégâts si tu es à côté d'une unité alliée. Bah écoute. Ah non, mais j'ai pas Tempeste avec le... avec lui. Bam! Il faudrait que je garde des kills pour faire.
Faudrait que je fasse des kills avec Mogun parce qu'il est que niveau 4 et il faudrait qu'il pexe. Il pexe les fiers. Là. Mais moi aussi je peux apprendre à faire ça ou pas? Presque, mais nous avons besoin d'un tout petit peu plus de temps. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Mais je ne te permets pas enfin. Toi la meurs. Que faire? Non mais faisons ça. Bien. Aouh, j'aurais même pas eu le temps de bouger. Donc là je fais Thundering Impact pour enlever et de l'armure et de la santé. Mais aïe aïe aïe, comme j'ai déjà plus beaucoup de santé, bah je ne fais plus beaucoup de dégâts. Non, laissons le kill à... Laissons le kill à Mogun, si possible. Ah non, mais par contre, laisse-moi finir le combat. Ah, voilà. Ça devrait fonctionner. Si on arrive à virer tous les dreads, on pourra y aller. Bah parfait. Bah oui, là on le kill. Voilà. Comme si j'en avais besoin alors que j'ai tous mes points de volonté dans la corne quoi. Allez, un kill pour aller haut. Parce que lui aussi il faut qu'il monte de niveau. Oui, bon bah con, c'est bon, relax quoi. Allez, fais dodo, c'est pas grave. Hop, hop, un kill pour Mogun. Si on pouvait donner l'autre kill encore à Mogun, ça serait vraiment parfait. Histoire qu'il pexe. À fond les ballons. Allez, on enlève toute l'armure de Mister... Mister Dredge. Là. Pouf. Victoire. Les ennemis reposant morts à vos pieds regretteraient de vous avoir rencontré s'ils n'étaient pas morts. Ouais, vos forces ont défendu la vie de 168 hommes de clan. Yuno s'avance sur la parcelle de terre flottante, brandissant un chevreau. Quoi? Elle semble tendue, mais invite les familles à la suivre. Vous criez l'ordre de se mettre en marche, mais les combattants et les hommes de clan restent immobiles. Ces gros morceaux de terre flottant dans les airs comme des navires sur la mer perturbent tout le monde. Oui, en même temps, c'est assez inhabituel. Finalement, Ivor prend les rênes d'un yacht attaché à un chariot de provisions et se met à marcher sur le premier rocher flottant, qui supporte le poids sans aucun problème. « Soit nous passons par là, soit les dredges nous tuent tous !» Ces paroles sont ponctuées d'un projectile de frondeur qui s'écrase à quelques mètres seulement. Les hommes saisissent leurs enfants et se mettent à courir. Les animaux de la caravane braillent et bêlent dans la frénésie. Des varles traversent la foule pendant que d'autres se battent dans leur sillage. Les gens effrayés se piétinent les uns les autres, se donnent des coups et certains tombent de la falaise. Jusqu'à ce que tout à coup, tout le monde soit pacifié. Même vous ressentez un sentiment de calme.
Ça, à tous les coups, c'est Yuno qui a lancé un sort de contrôle des esprits pour nous apaiser. Un petit peu à la manière, si vous vous rappelez, de ce qu'elle avait fait à la fin du premier jeu lorsqu'elle lance un sort de contrôle et d'apaisement sur tous les dredge pour qu'on puisse se faufiler jusqu'à la pierre divine de Stravs où nous avions récupéré justement le minerai d'argent qui nous avait permis de faire la flèche d'argent qui nous avait permis d'abattre le Soundre Hurleur qui était pourtant réputé être immortel. Et c'est aussi ce sort-là qui nous a permis de combattre Hurleur sans que les dredges alentours ne nous agressent outre mesure. Moins 5 hommes de clan. Dommage. Oh la panique. En plus la traversée... Oh trop classe. Les blessés et les anciens peinent à monter sur les rochers flottants tandis que la peur paralyse les jambes des autres. Les dredges se mettent en chasse, montant sur le pont sans hésitation. Ah oui, eux, ils s'en battent le steak, du coup. Essayez de disperser les lignes de dredges à l'aide de vos flèches. Demandez aux Varl de porter ceux qui galèrent. Hurlez à Eivind de faire tomber l'arrière du pont. Ah... demander aux Varl de porter ceux qui galèrent. Ça m'a l'air assez injuste de demander ça aux Varl parce qu'ils doivent déjà faire attention eux-mêmes de pas tomber. Tirons sur les dredges qui arrivent par derrière. Trois soldats dredges tombent en arrière alors que vos flèches les transpercent. Leurs armures se brisent en éclats, blessant d'autres autour d'eux. Quelques flèches de plus et les dredges ralentissent. Le dernier homme de clan arrive sur le pont et vous dépasse. Il ne reste plus que des dredges dans le sillage de votre caravane. Ah, bien. Plus 10 de renom, allez ! Le rocher flottant le plus proche de la falaise tombe à nouveau dans le gouffre, emportant avec lui tous ceux qui se trouvaient dessus. La vision est terrifiante, mais vous vous tournez et pressez les autres de continuer à avancer. Ah oui, tout de même. Qu'est-ce que c'est agréable de faire des bons choix. C'est tellement classe. Oh mon dieu! Ah, n'empêche Eivind, plein de surprises, hein? Eivind est de plus en plus faible. Pendant ce temps, beaucoup dans la caravane sont pétrifiés à la vue de membres de leur famille tombant vers leur mort. L'effet se propage. Ah merde, y a des gens qui tombent! Tout le monde, regardez droit devant, on avance! Tirez vers vous un homme pleurnicheur en train de... qui se trouve actuellement sur une falaise en train de s'écrouler. Demandez à Eivind comment vous pourriez l'aider. Allez à l'arrière et poussez les hommes, les personnes vers l'avant. C'est tellement différent ces trucs, comment je peux en choisir un? Je vais aller en arrière et pousser les gens. Votre équilibre est de plus en plus instable alors que vous approchez de l'arrière du pont qui est en train de s'écrouler. Vous poussez physiquement des hommes, des femmes et des enfants vers l'avant. D'autres suivent votre exemple. Cela n'empêche pas certains de tomber, mais cela aide. Oui, ça en même temps. Est-ce que ce sont des gens en train de tomber, ça? Mais quelle horreur. Putain, en plus on n'est pas au bout quoi, on est vraiment genre au milieu quoi. Ah. Les pierres à l'arrière de la caravane tombent plus vite que ne s'élèvent celles à l'avant. Les hommes de clan situés à l'arrière poussent vers l'avant dans un élan de panique. Bolverk s'écrie. Poussez certains de ces gars dans le vide avant que nous tombions tous. Pris de peur, les gens s'éloignent de lui.
Mais quel petit chenapan celui-là. Nous sommes trop lourds, vous dit Ivor. Nous devons nous débarrasser de quelque chose avant que ce magnien nous précipite dans les profondeurs de ce gouffre. Vous regardez autour de vous et ne voyez que des gens, de la nourriture et l'immense chariot que les corbeaux transportent. Seuls deux de ces éléments sont une option. Larguez plus de nourriture! Ou... Bolverk, virez-moi cet énorme chariot qui par-dessus le dans le vide. Quelque chose me dit que ce chariot a son importance d'une manière ou d'une autre. Il en reste assez proche depuis le début. Jetons un peu de nourriture. Les hommes proches des provisions vous regardent, ahuris. Nous n'aurons pas besoin de nourriture si on ne s'en sort pas, criez-vous. Deux charrettes sont désattelées et balancées dans le vide. Le soulagement de Eivind est presque instantané et le pont s'étend, donnant plus de place et de temps à tous pour se mouvoir. Ah bah très bien. Ah, moins 25. Ah, quand même. Ah, on arrive. On arrive. Allez. Allez. Ah, c'est ça, Ormsdar. Ah bah merde alors. Merde alors. Juste un peu plus loin, Eivind. La ville a pris cher, hein. Putain. Ah, y a même un morceau là. Allez, on y est presque. Ah. Le cri de Eivind vous glace le sang alors que son écho se répercute sur les falaises à quelques centaines de mètres. Encore une fois, le pont tremble, mais reste entier. Yuno vous lance un regard, les lèvres tremblantes. C'est en train de le tuer, et je ne laisserai pas cela arriver. Son ton est sombre et froid. Oui, ben... Quelles sont les alternatives? On va virer tout le reste de nos provisions. Quoi? Non! Non! C'était ton plan, bordel de merde! Qu'est-ce que c'est, l'alternative? Elle ne dit rien, mais lance un regard vers l'arrière de la caravane. Le gouverneur Ruga et beaucoup d'autres de Burzgard sont là-bas. Acquiescer silencieusement pour approuver qu'il largue l'arrière de la caravane. Tu m'as dit que les hommes de clan étaient importants. Eivind doit réussir. Doit essayer. La nourriture, on se débarrassera de tout ce qui reste. Putain, mais je sais pas. En même temps, Ruga, il m'a l'air d'être... Il a la classe, il m'a l'air d'avoir encore un rôle à jouer. Ça me ferait chier de le faire mourir maintenant. Mais est-ce que ça va être un rôle bien ou un méchant, tu vois, c'est ça le truc. Oui, bah virons la bouffe, écoute, qu'est-ce que je te dise. Merci, nous la remplacerons à Ormstar. Les provisions sont larguées et la caravane continue. Ça m'étonnerait qu'on puisse se refaire le plein à Ormsdal, si tu veux mon avis. C'était moi une. Ça n'inquiète que moi là, ce petit pont. Ah oui, Alette. It's hard to believe we made it across that chasm. Now we find what's left of Ormstaller. Once a great trade town at the fork of the Ormsau River. How many lives must have been lost here? On dirait que quelques bâtiments ont survécu, ont résisté. Quoi que ce soit qui a causé ce gouffre a détruit tout ce qu'il y avait ici. Du plus grand varle au plus jeune enfant humain, tout le monde est épuisé par la traversée du gouffre. Les tentes sont vaguement dressées et les affaires sont jetées par terre alors que tout le monde s'endort. Vous postez quelques gardes par habitude et vous sombrez dans le sommeil adossé contre une caisse, vous emmitouflant dans votre manteau et fermant vos yeux. Vous ressentez une douleur vive à la poitrine comme celle d'une piqûre de guêpe. Cherchant à tâtons la source de cette douleur, vous regardez entre vos doigts gris et fripés qui parcourent votre plastron en pierre rouge. Haletant, vous ouvrez vos yeux pour réaliser que vous êtes toujours emmitouflé dans votre manteau
et non dans un plastron en pierre. La caravane est toujours endormie et les ronflements sont plus forts que d'habitude. Vous vous reposez encore un peu avant de faire face aux tâches de la nouvelle journée. Attends une seconde, est-ce que je viens de rêver que j'étais hurleur? Mais qu'est-ce que ça signifie? Bon Dieu. Fou! Ah, il me reste quand même 15 jours de provisions avec tout ce que j'ai jeté? Oh, bah peinard! Peinard! 52 de renom, il est temps de passer à l'upgrade. Alors. Je ne sais pas qui pexer. Ça sert à rien de s'étaler sur trop de personnages parce que de toute façon je vais souvent jouer avec les mêmes. Même si je vais alterner entre Mogun et Gil et puis Akon et Gwynulf. Mogre, je pense pas le jouer. Oh, t'es triste. Je pense pas jouer Gris, hein, je l'ai jamais joué. Il a la classe et tout, j'aime ses cornes, mais... Ah putain, en plus il est vachement équilibré comme type. Mais c'est l'équivalent d'Iver et Iver... il est équilibré mais plus fort. C'est... Du coup... Eh bien, on va monter Akon de niveau. Ah oui, j'ai le droit à une nouvelle compétence. Oh, les amis, je sais que je devrais prendre de la diversité avec Forge Ahead. Mais ce pouvoir vraiment me dépasse. Hein. J'ai jamais envie de l'utiliser. Un bon vieux Tempeste bien placé, ça fait quand même beaucoup plus plaisir. Allez hop. On augmente l'effort et on augmente ses chances de résister à des dommages, à des dégâts occasionnés sur son armure. Qui est déjà pas très élevée. Ben non, en fait, on va pas faire ça. Parce que vu qu'il a... Non, on va faire qu'il est robuste. Non, on va lui donner un pourcentage de chances de résister à des dégâts de force. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Bien. Ensuite, montons... Loudin de niveau. Loudin, je commence à bien l'aimer, je l'aime bien. Même si Trickvi, tu vois. Mais Trickvi n'étant que niveau 3, il a du retard. J'ai pas envie de perdre des points à le pexer. Montons Loudin. Et nous avons un deuxième pouvoir. Embrocheur de cochon. Le massacreur essaye d'embrocher sa cible. Attaquant avec 20% de chance d'occasionner un coup critique. Doublant les dégâts de santé et de force occasionnés. Cette chance augmente pour chaque allié adjacent à la cible du massacreur. D'accord, donc en gros, il faut cerner la cible. Aucun personnage sur le champ de bataille n'est aussi meurtrier et aussi talentueux et aussi bien équipé et aussi bien... Non, par contre, pardon... Aucun personnage sur le champ de bataille n'est aussi meurtrier qu'un talentueux, bien équipé et bien positionné massacreur. Voilà, l'ordre des adjectifs était très anglais. Mais bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en plus encore augmenter ses chances de coup critique de 20%. Mais faut pas le dire, c'est un secret. Là. Par contre, Loudin, tu n'as pas d'objet. Et ça, c'est relativement inadmissible. Alors, deux volontés, deux strength. Repousse les ennemis lorsque vous occasionnez des dégâts de force, plus une de force. Plus 20% deux fois force des dégâts de force. Ah, ça m'a l'air bien ça, plus deux volontés, deux force. Ça m'a l'air très bien même. Qu'est-ce que tu as toi, Iver, comme objet, rappelle-moi. Tu as les gants de Dundr qui te rapportent 3 points de force. Donc tu es à 20. Non, à 19. J'avais même pas capté. Mogun, qu'as-tu en main? Mogun. Tu as ça qui te donne 15% x 2. Ok, très bien. Ah, Let plus 2. Brise armure. Mais que fais-tu avec ceci? C'est inutile. Inutile, mais en même temps, j'ai pas grand chose de mieux. Gunulf, toi tu as plus 3 armures et plus 1
Agro. Ok, Aléo, toi tu as quoi? Bon, très bien. Écoutez, pour l'heure, nous sommes bien, nous sommes... Nous avons survécu, c'est l'essentiel, et nous avons besoin de repos. Oui, et nous irons explorer ces ruines, et nous reposerons lors de la prochaine session de nos aventures nordiques dans les terres de The Banner Saga 2. J'espère que cet épisode vous aura plu, portez-vous bien, et à la prochaine, mes chers amis cornus, poilus, barbus.